on va saluer Monique. Comment elle va? Clément, c'est votre grand-mère. Grand-mère. Et ouais. c'est une habituée. Je comment crois, elle va, Monique? C'est inconditionnel. C'est vrai, carrément. Ah, inconditionnel. Oui. Donc, Monique, comment elle va souvent. Ah oui. Bah, Monique, ça me fait très plaisir. Je me permets de vous saluer. Voilà. Et j'espère que votre. Ok, je vais être en colère. Ne me jugez pas, je suis intenable ce soir. Quand on te fait une remarque en disant ah, oh, il y a Monique ce soir, la méta, c'est de répondre en disant ouais, elle vous regarde depuis longtemps, elle vous adore. Ouais. C'est une habituée, je crois. C'est une fidèle. C'est inconditionnel. C'est vrai, carrément. Ah, inconditionnel. Oui. Donc, Monique, elle est là souvent. Ah oui. Bah, Monique, ça me fait très. Relance! Relance la balle! Monique, elle est là souvent. Ah oui. Le revers! Le. Sur la table! Ingrid, c'est pas la première fois. Non, on s'est déjà vu il y a 4 ans, il me semble. 4 ans, ouais. Ingrid, de retour. Vous savez pourquoi Ingrid, elle a toujours des bonnes notes à l'école? Parce que c'est une bête en cours. Pas mal en vrai! Non, mais en vrai! En vrai, c'est quoi l'anecdote que tu donneras à l'équipe de sélection quand tu t'inscriras? Je sais pas, j'hésite entre celle où j'ai gagné 45 000 euros en coupant des citrons dans une salle, ou bien l'autre où j'ai aidé à récolter 10 millions d'euros en peignant une omelette sur un tableau. Il y a beaucoup d'anecdotes possibles. On essaiera quoi, toujours une affaire de fric, ouais, c'est vrai. Non, je pense que la meilleure anecdote, c'est celle où j'expliquerai que ça fait 4 ans que je me chie dessus pour participer à l'émission. Et que je vais sûrement sortir aux 9 points gagnants et me prendre 2 ans de chat. Pour un point, un petit peu de musique. En 73, dans une chanson de Michel Sardou, quelle maladie pour... Marra. Maladie d'amour. Ingrid. La maladie d'amour. A été la plus rapide. À quel savant et architecte, conseiller du pharaon Djoser... Camille. Imhotep. Imhotep, bravo. 3. J'ai la ref. En médecine. Comment appelle-t-on le liquide acide sécrété? Le suc gastrique. Non. La bile? Non. Par l'estomac. Qui contribue, Camille? Les sucs gastriques? Oui, exactement. À la digestion, suc gastrique. Quel surnom a-t-on donné au handballeur français? Mais... 2 points. C'est une émission de vieux, ça va pas être les experts, ça va être les barjots. Clément? Les barjots? Bien joué. Ah, bah, quel porc? D'Amsterdam. L'Écosse est surnommée la cité de granit. Je sais pas. Un port de. Je sais pas, Édimbourg. Eric. Inverness. Non. C'est pas Inverness. Je sais pas. Un port d'Écosse, pardon. Bonne idée. Surnommée la cité de granit, Camille. Aberdeen. Aberdeen. Ouais, c'est Aberdeen. Bien joué. Ouais. Sans conviction, mais vous l'avez tenté. Ah, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, oui. Alors, Aberdeen, c'est exceptionnel, puisque c'est une ville qui réussit à faire quelque chose de très, très dur. La ville réussit à être dégueulasse sur Google Images. Et ça, c'est une performance qui est extrêmement compliquée. C'est-à-dire que tu peux aller dans des villes qui peuvent sembler horribles, tu les vois sur Google Images, tu te dis c'est exceptionnel, mais réussir à avoir une ville où on se fait chier sur Google Images, c'est exceptionnel. Quel est ce plat constitué d'une purée de pommes de terre garnie d'un... Le hachis parmentier? Clément. Garni de viande. Oui. D'un hachis de viande qui porte le nom d'un agronome français. Quel mot désigne la masse totale de l'ensemble des êtres vivants occupant une... Je sais pas, la population. Le biotope? Non. Et Eric. Le poids? Non. Camille. La biomasse. Me donne la biomasse qui est la bonne réponse. Ah, c'est ça. Mais attends, mais c'est la SVT de... Ah ben oui, putain, mais d'accord. Ben oui. L'énergie issue de la biomasse est une source d'énergie renouvelable qui dépend du cycle de la matière vivante, végétale et animale. La biomasse intéresse à nouveau les pays riches, confrontés au changement climatique et à la perspective d'une crise des ressources en hydrocarbures fossiles ou uranium. Dans une église, comment appelle-t-on la collecte d'argent? La... Quoi? La quête. Clément. La quête. Oui. Non mais, je vous jure, c'est une dinguerie. J'allais vous dire le truc qu'on fait dans Dofus. Je suis complètement fou. Mon cerveau est malade. Je suis ravagé. Pourquoi ça s'appelle la quête? Action de quêter. Ah, parce que quêter, c'est rechercher. Mais oui, je suis con. Bah ouais, j'avais jamais pensé à ça. Quel champignon au pied trapu? Une chanterolle? Le cèpe? Ouais. C'est trop bon, les cèpes, en plus. Vous trouvez pas que la cèpe, si c'était un humain... Ce serait quelqu'un de cool. Je ne trouvais pas que ça a l'air d'être quelqu'un de généreux. Enfin, ah, c'est le cèpe, ok, je savais pas. Je savais pas que c'était le cèpe. Ouais, un bon vivant, quoi. Chill et détendu. Un point vous sépare seulement. Vous êtes dans la course tous les deux. Ingrid, Eric, pour 3 points maintenant, à chaque bonne réponse, c'est parti. Quel sac de toile, de plastique, de cuir ou de cuir est fixé au porte-bagages d'une bicyclette?
Je sais pas comment ça s'appelle. C'est Eric qui était plus rapide. Une gourde. Une sacoche. Sacoche. Quoi? Juste ça? J'allais dire c'est pas une sacoche. En 2009. C'est un sacauchemar. Dans quel film des studios Pixar un vieil homme attache-t-il des milliers de... Là-haut. Le ballon. Grid. Là-haut. Dans l'Antiquité, quelle place centrale des villes italiques? Le Forum. Eric. Forum. Excellent. Ouais. De quel groupe français Jennifer Ayash est-elle la chanteuse? Superbus. Jelly Butterfly. Chouette groupe. Ingrid. Superbus. Carrément. Bonne réponse. Ingrid, vous êtes en deuxième manche. Non mais j'enchaîne. J'enchaîne en vrai. C'est une émission qui est placée sous le signe des cheveux. Trop dur, trop dur. Les cheveux que j'ai de moins. Ah bah, c'est marrant ça. Les cheveux d'Ingrid qui partent en C'est marrant ça, c'est marrant. Les cheveux... C'est marrant, c'est marrant. Uber Eats existe et Uber Coiffeur n'existe pas. On peut commander un Pokéball à 5h du mat et on peut pas commander un dégradé à la K47. Les voilà, monuments du Luxembourg. Les rues dans la chanson. Ok. Ouais non, dur en vrai. J'allais dire ok mais en vrai trop dur. Non, fête c'est impossible. Même moi étant fan de musique, je pense que je fais deux quoi. En nocturne. Ah ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal en mascotte vrai. Mascotte de la Coupe du Monde de foot et je sais qu'il y a des amateurs de football parmi eux. Mais c'est le foot. Ou amatrice. Mais en vrai c'est le foot. Camille, un petit coup de cœur ou pas? Non. Alors je tente ma chance sur le thème mystère. On essaye ça? Ah ouais. Camille, venez. Vocabulaire de la Grande Guerre. Quel niveau de culture il faut avoir pour se dire vocabulaire de la Grande Guerre et sourire? C'est minimum 3000 d'élo, genre. La Grande Guerre, c'est laquelle? C'est la 1? Grande Guerre, Première Guerre mondiale, bien sûr. Hein. Ouais. Top, par quel terme faisant référence à la pilosité des combattants? Les poilus. Les poilus, oui. Quel verbe synonyme de renvoyer dérive du nom d'une ville du Limousin? Limogé. Oh, Limogé, j'ai la ref. Dans l'argot militaire de l'époque, par quel nom d'animal a-t-on pris l'habitude de désigner les conserves de bœuf jugées de piètre qualité? Quel nom a-t-on donné au trauma? Non mais gros, il a un pins question pour un champion. Comment tu veux qu'on le joue? Traumatisme psychique et physique consécutif à l'onde de choc des explosions qui ont touché de nombreux soldats. Le vent du boulet. Quelle expression forgée par le colonel Pico désigne les milliers de soldats qui ont été gravement blessés à la face? Les gueules cassées. Cassées. Lors de quel prénom de la fille d'un industriel a-t-on baptisé le canon lourd? Quelle expression a couramment désigné le liquide huileux appelé hyperite qui a été utilisé comme gaz? Par quelle locution imagée faisant référence à un animal désigne-t-on les piquets de fer? Oui, la grosse Bertha de Corki, que les joueurs de League of Legends connaissent, ça vient de ça. Il y a plein de gens qui appellent la Bertha la grosse bombe de Corki, mais oui, ça vient de la Première Guerre mondiale. L'aviez-vous? Cette question du 4 à la suite. Par quelle locution imagée faisant référence à un animal désignait-on les piquets de fer vissés dans le sol destinés à supporter les barbelés? Comment on appelait ces piquets? Faisant référence à un animal. Les porcs piquent. Okay. Ah oui. Les queues de cochon. Quel verbe synonyme de renvoyer dérive du nom d'une ville du Limousin, Limoges donc, où les officiers relevés de leurs fonctions ont été assignés en résidence en 1914? Ça vient de là, Limogé. Limoges, j'ai une trop mauvaise image de la ville. Parce que moi, je suis né à Limoges. J'ai toujours trouvé ça cool. Et à chaque fois que je parle de Limoges, les gens disent qu'on se fait chier là-bas. Ah non, par contre. Oh, quand tu parles de la ville, que quelqu'un te dit « la gare est cool », quand le palmarès de la ville, c'est l'endroit qu'il existe pour la quitter, ça fait mal, quoi. Oh, sur Google Images, bah, une belle gare. Bah ouais. La question qui nous a manqué tout à l'heure. Cool. Quel nom a-t-on donné au traumatisme psychique et physique consécutif à l'onde de choc des explosions qui ont touché de nombreux soldats? Je sais pas. La radiation. Partons d'obus. C'est l'obusite. Top. En 89, quel chanteur affirmait avoir le cœur qui traîne dans la rue Fontaine quelques années après le succès des Yeux Revolvers? Marc Lavoine. Marc Lavoine. Dans les années 80, dans quelle rue se trouvait la salle du bar tabac chantée par le groupe Pigalle? Je sais pas. À quel compositeur breton né en 70, auteur de nombreuses musiques de films, doit-on l'album Rue des Cascades? Yann Tiersen. En 2020, quel chanteur interprète en duo avec Juliette Armanel le titre Rue Saint-Louis en Lille, extrait de la réédition de son album Grand Prix? Je passe. En 73, quel chanteur rend hommage à la rue de la Huchette dans un titre de l'album Au pays des merveilles de Juliette? Passe. En 2008, quel chanteur interprète le titre Rue des étoiles, extrait de son album Toi plus moi? Grégoire. Dans une chanson de Juliette Gréco écrite par Jean-Paul Sartre, quel nom de rue rime avec tréteau et échafaud? La rue des Blancs-Manteaux. Voilà. Oh non, Ingrid, tu veux pas nous faire ça? Ingrid, dans le cul des misogynes, Ingrid. Quand même prendre le foot. Quand même le foot. Oh, let's go, Ingrid!
Le foot. Oh, c'est parti à Valeurs Maîtres. Passionnée de football, hein. Oui, oui. Grande supportrice de... De la S Nancy Lorraine. Depuis toujours. Ah, de la S Nancy Lorraine. Bah, toutes mes condoléances. Bon, Footix. 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 Top. En 98, Footix. Quel nom s'inspirant de ceux des albums d'Astérix portait la mascotte Footix. De la Coupe? En 2010, quel pays a choisi comme mascotte un léopard nommé Zakumi pour porter chance? Bah, c'est l'Afrique du Sud. Première. Quel animal en plus appelé Zabi Vaka a été choisi par la Russie? Un loup. Loup. En quelle année le duo de mascottes Tip et Tap a été choisi pour représenter la RFA, pays organisateur de la compétition? Attends, je sais que la RFA, ils ont gagné en 54, ils ont gagné en 74 et ils ont gagné, je crois, en 80. Je crois que c'est 74 qu'ils ont. Ou peut-être 54. C'est... Je crois qu'ils l'ont gagné. Ils l'ont gagné de cette année-là et ils étaient organisateurs. Donc, je crois que c'est 74. 86. 90 pour la Coupe du Monde organisée sur son sol. Quel pays européen a choisi une mascotte aux formes stylisées appelée Ciao? Bah, l'Italie. L'Italie. Lors de la Coupe du Monde 82 disputée en Espagne, de quel fruit la mascotte appelée Naranjito l'orange. La forme Naranja. Une orange. Oui. 90, début de la question d'après. Mais du coup, c'était 74, on est d'accord. RFA, victoire, Coupe du Monde. C'était 74 et c'était là où ils étaient organisateurs. Après, peut-être qu'ils ont été organisateurs deux fois et que du coup, c'était pas l'année où il y avait la mascotte. Ouais, c'est 74. Let's go, le 4 à la suite. Le 4. Bah oui, parce qu'en plus, en 90, il n'y avait plus la RFA vu que c'est 89. T'as vu la gueule de la mascotte de la Coupe du Monde 2022? J'ai pas vu. Enfin, bro. Pour jouer au foot. Faut des pieds. Top. Rivière d'Europe occidentale, longue de 550 km, je prends ma source à 725 mètres d'altitude près de Bussang. Décrivant de nombreux méandres dans le massif schisteux rhénan, je me jette dans le Rhin à Koblenz. Danube ? Non, et traverse dans ma partie allemande. La Meuse ? C'est pas la Meuse. Non. Top. Allemande, une région viticole réputée. Rivière. Moselle ? Constituant la... Avec mes reilles, amuse-toi bien en Meurthe et Moselle. Frontière entre le Luxembourg et l'Allemagne. J'arrose en France les villes de Remiremont, d'Épinal, de Toul, de Metz. La Moselle. Oui. C'est avec mes reilles, on part sur la lune, amuse-toi bien en Meurthe et Moselle. Top. Actrice, réalisatrice, née en 73. Mmh. J'entreprends des études d'architecture qui m'inspireront ma comédie Notre-Dame en 2019. Me mettant en scène dans La Reine des Pommes et dans La Guerre est déclarée Daniel avec Jérémy Elkaïn, je me fais connaître des téléspectateurs grâce notamment à mon rôle de Jeanne dans la saison 1 de Clara Scheller. Incarnant en 2021 une des filles de Miu Miu dans la série d'Arte Nona et ses filles. Aucune idée. Je suis, si je vous dis le prénom, Valérie. Valérie Donzelli. Est-ce que je vois sa tête? Son nom me dit rien. Ah oui, putain! Oh, j'aurais jamais trouvé son nom. Par contre, je vois sa tête. Ça va peut-être vous trigger le nom quand vous voyez sa tête. Je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu au cinéma, je l'ai déjà vu dans un truc à la télé. Sa tête me dit vraiment un truc. Top. Fruit d'une courge d'été dont une variété jaune est appelée Sunburst et d'une autre verte porte le nom de Gaga. Je suis souvent de couleur blanche. La courgette? C'est pas la courgette. Je sais. Top. Légumes oubliés à la saveur douce, proche de l'artichaut, je peux me... C'est le pâtisson. C'est le pâtisson. Et je vous jure que c'est vrai. Mesuré de 10 à 25 cm de diamètre et suis facilement reconnaissable. Le rutabaga ? Non. C'est ça. Je vous jure que c'est ça. À ma forme arrondie et bombée au bord festonné. Je vous jure. Fruit d'une courge, couramment désignée par un nom. Le pâtisson ? Exactement. Ça s'est mis dans ma tête, je vois. Je vois les légumes oubliés, je vois ces légumes qui ont été abandonnés dans le fin du tiroir. Lorsque je rentre dans les maisons, j'entends des bruits d'artichauts, j'entends des bruits d'asperges. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tous ces pâtissons qui m'appellent. J'avais la rêve quand il a dit artichaut. Top peintre américain, né en 23 à New York, je commence à poser mes travaux dans la vie natale à partir de 51. Inspiré par le travail de Claes Oldenburg, je reprends les détournants, l'iconographie, les thèmes des images publicitaires, des journaux, de la télévision. Warhol. C'est Roy Lichtenstein, je pense. C'est pas Warhol. Ça va être la théorie des deux, ça va pas être Warhol un peu part. Top. Artiste. Lichtenstein. Roy Lichtenstein est la bonne réponse. Top. Chanson italienne, empruntée au folklore piémontais. Je suis le titre d'un film français retraçant l'histoire d'immigrés italiens. La vie est belle. Et à Marseille avant la guerre. Chant. Bella Ciao. Et c'était de la musique. Ouais. Oh putain. J'ai la ref. La Casa des Papel. Combiné, elle fait son gouvernement 100% streaming. Et tu es dedans, devine dans quel ministère? Bah je suis bien évidemment ministre du sport. Réflexe identique à ma vitesse. Les biceps. Regarde. Regarde mes deltos. Regarde. Tu vois là? Trapèze ?
Trapèze, épaule. Bah, bien évidemment, ministre de la Santé. Bah oui, pourquoi pas, je serais pas ministre de la Santé. Je serais pas le premier ministre à pas maîtriser mon sujet. Je vais prendre la main, s'il vous plaît. Prends cette main, prends cette main. Sois agressive. Top bonbon, créé au début du 19e siècle par le chimiste Darcet. Je vois mes doigts, mes droits céder un pharmacien nommé Bartilla. Les bêtises de Cambrai? Non. Ok. Top très apprécié par l'impératrice Eugénie, je reçois sur chaque face ma marque apposée au poinçon. Aromatisé à la menthe, au citron, à l'anis, je suis fabriqué à partir des... Ah, une app. Non, pastis Vichy. Top, à partir des sels minéraux de l'eau thermale. Ouais. Pastis Vichy. Ah bah là, à partir de l'eau thermale, bonne réponse. Le truc estampillé, et là. Et on avait un pharmacien. Top, maréchal, homme d'État, né à Ningbo en 1886, j'ai siégé à la conférence du Caire en 43. Homme politique ayant rejoint en 1911 le parti de Sun Yat-sen, dont je deviens le beau-frère. J'ai organisé l'armée du Kuomintang et reconquis une partie de la Chine. Vaincu par Mao. Chiang Kai-shek. Qui est vaincu par Mao? Oh, c'est Chiang Kai-shek. Oh là 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 là, il est fort. Hein. Putain, tout ce qui est histoire et tout, il est rapide. Hein. Top héroïne d'un conte pour enfants dont Flora Anisti a donné une version en 1918. Je suis une petite fille curieuse qui finit généralement par s'enfuir à la fin de l'histoire. Les malheurs de Sophie. Bouleversant la vie tranquille d'une famille d'animaux en m'introduisant dans leur maison. Oh, boucle d'or. Blanche-Neige. Non, non. Top, ah, non, allez-y. Je crois qu'il l'a. Fuir à la fin de l'histoire. Bouleversant la vie tranquille d'une famille d'animaux en m'introduisant dans leur maison. Je mange ce qui est sur la table. Blanche-Neige. Top. Je crois qu'elle l'a. Boucle d'or. Boucle d'or. Là, je dis oui. Là, je dis oui. Et oui, boucle d'or. Oui, oui, j'ai compris avec les tontas. Camille, voulez-vous revenir donc demain tenter une quatrième victoire? Camille qui va le décider, il nous le dit dans 5 secondes. Je vais tenter la cagnotte pour m'acheter une armure. On vous explique quand je vous rappellerai pourquoi la... Ah mais parce qu'il fait du béour.